Et bonsoir à tous les amis. Donc nous sommes toujours le 20 avril et donc c'est ma deuxième vidéo sur cette journée par rapport à mon chantier récup et espace vert. Donc comme à ma petite habitude, on va faire un petit récapitulatif, pardon, et un petit, comment dire, visionnel, je sais pas trop comment dire, je suis un peu fatigué, sur le travail qui a été effectué au cours de ces 3 heures, hein. Donc voilà, je démarre toujours sur le matériel parce que j'aime bien un peu cette vision, qu'on a en début de vidéo, quoi. Ça me plaît bien, quoi. Ça montre que quand même, malgré toute ma difficulté à trouver de l'argent dans la vie, et ben, petit à petit, j'y arrive quand même, quoi, tant bien que mal. Bon, voilà, j'aime bien. C'est mon petit plaisir à moi, quoi. Démarrer la vidéo sur mon matériel, ça me fait plaisir, quoi. Donc, allez, c'est parti, on y va. Donc, ça va aller assez vite, hein. Donc, en 3 heures. J'ai décidé de ne pas aller chercher la tondeuse parce que au final ça marchait plutôt bien à la débroussailleuse. Il n'y avait pas de difficulté de ce côté-là. Et puis ça me permet aussi moi de me rendre compte de comment est le sol avant, comment est le niveau du sol, s'il y a pas mal de trous, s'il n'y a pas de trous, s'il y a assez plat, s'il y a beaucoup de cailloux ou pas. Quand l'herbe est un peu haute avant d'attaquer à la tondeuse, voilà, j'aime bien attaquer à la débroussailleuse. Ça permet un peu de, comment je pourrais dire, pendant le temps qu'on débroussaille, ça nous permet de mieux quadriller le terrain et de voir comment est le niveau du sol pour savoir si on va s'embêter par la suite avec la tondeuse, si la lame elle va beaucoup taper, s'il y a beaucoup de dénivelé, si on va avoir une coupe régulière. Bon, c'est des petits détails sur lesquels je suis pointilleux, mais bon, j'aime bien faire ce petit truc. Ça permet de bien se rendre compte de l'état du terrain, quoi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, grosse session dégagement, hein. Bon coup de débroussailleuse quand même en 3 heures où ça n'a pas chômé une fois de plus, hein. Donc on retrouve. Alors j'ai pas attaqué comme j'avais dit toute la clôture. J'ai attaqué pour faire le terrain entièrement, quoi. Hein. Donc là, il n'y a pas besoin de faire le tour de toute la clôture en premier. Tout ça, on peut attaquer directement dans le vif. Et puis, voilà quoi. Déjà, premier coup d'œil, on voit clairement que j'ai bien. Ouais, j'ai dû faire un tout petit peu plus que la moitié du terrain, la débroussailleuse, en 3 heures. Donc, je suis plutôt vraiment satisfait, une fois de plus, quoi. Et puis, voilà, résultat toujours impeccable. Bien droit, bien lisse, voilà, je suis vraiment très content de cette partie-là qui s'est très bien fait. Donc un peu de taille de branchage, légèrement, à ce niveau-là. Parce que bon, comme je fais quand même 1,73 m, je tape facilement dans les branches. Et donc il vaut mieux couper les branches en soubassement afin de faire une avancée plus rapide, quoi, sans être gêné, quoi. Quelques petits rejets au pied de la clôture, mais rien de bien sorcier ni de compliqué, quoi. Donc voilà, quoi, pour ma part, je suis vraiment content. Résultat impeccable, quoi. Hein, je suis très satisfait. J'ai effectué un petit rangement au niveau du bac à eau et du puits. J'ai rassemblé les pots au même endroit. Je les ai mis par ordre de taille pour que ça fasse un plus joli visuel. Et comme ça, de suite, on a une petite zone bien propre, bien dégagée, quoi. Voilà, moi, ça me plaît bien, quoi. J'aime bien travailler comme ça. Et puis, les prochaines fois, quand on revient avec la débroussailleuse ou la tondeuse, on est gêné par aucun obstacle pour avancer, quoi. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le petit plus qui fait ma signature, quoi. Bon, voilà, la seule petite difficulté que j'ai rencontrée, c'est ce restant de tronc là, et où il faudra que je fasse quelque chose quand même, parce que ça dépasse pas mal et la débroussailleuse a tapé dedans. Mais bon, ça va, rien de bien méchant. Et sinon, pour le reste, comme vous pouvez voir, zone bien dégagée, bien propre.
Voilà, je suis super satisfait. On a éliminé en partie tous les orties qui étaient présentes de ce côté-là, les ronces qui étaient présentes de ce côté-là. Donc, bah voilà, je suis content, je suis satisfait. C'est bien propre, voilà. Donc, oui, pour ma part, j'ai bien fait un peu plus de la moitié en ces 3 heures, quoi. Donc, bah voilà, je suis bien content de moi. Et puis j'ai même attaqué ce petit coin là, ici. Donc là, on passe au niveau de la cour intérieure de la maison, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de d'herbes un peu qui poussent sur le ciment par rapport à la mousse qui s'accumule. Donc bon, bah, là aussi, le long de ce mur là, il y avait pas mal de mauvaises herbes. Donc à la débroussailleuse tout doucement, quoi, parce que bon, il y a les vitres quand même, hein. Donc, faut faire attention aux éclats de cailloux pour pas casser les carreaux, pour pas en mettre partout. Donc, un peu de technique et de délicatesse, mais comme vous pouvez voir, de suite c'est nickel, quoi. Tout le long du mur, voilà, je suis vraiment content, vraiment satisfait. Ce petit retour de maison est devenu propre. Bon, il me restera plus qu'à gratter un peu cet excès de mousse là, une fois que ça aura bien séché. Et puis on retrouvera une petite partie bien fonctionnelle, quoi, comme ça devait l'être au départ, quoi. Donc voilà les amis, quoi, je suis content de ma session, content de ces 3 heures. Je trouve que ça a vraiment bien avancé. Bon, après c'est logique, hein, l'herbe elle était vraiment moins haute et moins épaisse que sur le grand terrain. Sûrement parce que la propriétaire y passe plus souvent ici, quoi, vu que c'est attenant de suite à la maison. Donc voilà, c'était beaucoup plus facile, plus agréable. Il a fait chaud quand même, une petite suée, mais voilà, résultat nickel, impeccable. Je suis vraiment très content. Puis ce petit coin, je trouve là, qui est avec ses pots là, ça fait joli, quoi. Le simple fait de les avoir rangés par taille, voilà, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc voilà les amis, maintenant je vais rentrer à la maison, remballer le matériel, rentrer à la maison et puis continuer mon travail chez moi, quoi. Donc voilà, j'espère que cette seconde vidéo sur la récapitulatif et fin de journée vous aura plu. Et puis je continue à vous tenir informé de tout ce qui se passe autour du jardin fermier pédagogique, les mille idées. Voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous et à demain sûrement pour la suite du chantier. Gros bisous, ciao ciao, bye bye!